Salut tout le monde, c'est Tipsyron, nous sommes de retour sur Alien pour un quatrième épisode, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Ah, on commence fort les gars, on commence fort. Ah mais je suis bloqué là en fait. Ah oui là je suis bloqué. Donc du coup Non. Non, tu m'aides pas non. Je recommence ça. Yo tout le monde, c'est Tipsyron, on se retrouve pour le quatrième épisode d'Alien Isolation, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Là il y a un plan, on va le prendre. Ah il faut que je me cache en fait, non. Ils vont me trouver. Mais c'est abusé. Ils me disent de mitrailler eux. J'ai même pas une demi-seconde, quoi. C'est impossible. Tu sais, on dirait Ruzard dans Harry Potter, là. Je vais vous tuer! C'est le même. Le même. C'est le même. Du coup... Oh putain, il y a un conduit. Mais oui. Le génie. Le génie. Ok, on a réussi à sortir de là. C'est une bonne chose de faite. Il y a d'autres gens qui s'intéressent à la boîte noire. Pourquoi donc? Ils sont pas là les gens. Je suis sûr qu'ils m'attendent quelque part. Bon, dans tous les cas, faut que j'aille par où? Ah, faut que je retourne par où je suis arrivé en fait, complètement. Ok, du coup on va tenter un rush. Merde, c'est par où? Ouais, c'est par là. Oh merde! Oh, oh la vache. Mon dieu. Lâchez-moi. Putain, ils sont encore plus flippants que l'alien, c'est pas possible. Oh merde. Oh fuck. Je suis mort les gars. Oh, si j'arrive à passer, je suis un dieu. Let's go! Je suis un dieu. Oh, je suis tellement fou. Ça c'est à force de jouer aux zombies, ça. Vous voyez les petites esquives, un petit coup de joystick. Oula. Ah, je suis fier là, c'était propre. C'est bien par là qu'il fallait aller quand même. Oui. Oui, c'est ça. Ah là je suis fier de mon petit move là. Honnêtement, je suis fier. Là, il y en a aussi, normalement. J'ai tellement pas fait discret, j'ai fait le gros rush. Là, par là, il y en a normalement. Non. Ah, s'il est là. Bon, ça sert à rien que je me cache, d'ailleurs. On va courir. On va courir le plus vite possible. C'est par là. Oh, il y a des bruits bizarres. Il y a des bruits très très bizarres. Merde. Comment je vais faire pour passer là? Oh, il y a des bruits pas très bons là. Comment je vais passer les gens? Comment je peux passer? Là, l'esquive elle va être dure. Hein. Je vous avoue qu'elle va être très dure l'esquive là. On va tenter. Wouah! 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 Oh merde! Oh. Qu'est-ce qu'il faisait là lui? Oh.
si en plus des robots, il y a lui qui arrive. Ah non, je repars de là en plus, c'est sérieux? Voilà, je suis revenu. Cette fois, j'ai bien pensé à sauvegarder. Bon, par contre, il abuse un peu, l'alien. Hein. C'est vicieux, là, d'arriver par là. Ah, mais voilà, en fait, il y a de la bave. D'accord. Ah, putain, quand il y a de la bave, faut pas que j'y aille. Ça veut dire qu'il y est. Et du coup, je fais comment? Ah, là, je peux y aller, non? Ok, faut que j'attende que la bave, elle dégage. D'accord, d'accord. Donc celui-là, ça m'a pas fait très plaisir. Hein. Le petit coucou qui m'a fait... Oh merde. Il regarde un peu trop dans ma direction, là. Merde, il a entendu un peu. Fuck. Run, my nigga. Run. Run, my nigga. Ah, mais je suis revenu au... Ouais. Ah, voilà. Non, c'est bon. Ok, on est bon. C'est par là. Et bah parfait. Parfait. Allez, salut. Empruntez le transit vers la tour. S-C-I-M-E-D. Et c'est quoi qui fait du bruit là? C'est insupportable. Ah, c'est un robot ça? Oh merde, y'a des robots qui sont venus ici? Oh! Putain, le con! À chaque fois je me fais avoir quoi. Incroyable. Oula. Ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon du tout. À chaque fois je me fais avoir par leur screamer de gamin là. Oula. Putain, l'alien, on l'entend marcher autour, c'est horrible. Oh! Je suis mort. Mais ce jeu est... Ah, ce jeu est sadique, ce jeu est horrible. Oui. J'ai réussi. OMG. Eh, vous êtes chaud ou quoi? Hop là. Je crois que je me suis fait tuer par 5 mecs en même temps, dont un alien. J'ai tout pris là, j'ai tout pris. Ok les gars, est-ce qu'on rouvre cette porte? Il était juste derrière la dernière fois. Ouh. Il est pas là. Vraiment pas faire de bruit quoi en fait. Rien que le moment où j'ai frappé le lambda qui était par terre, ou qui s'appelle les lambda en fait, hein. J'ai vu ça dans les écrans de chargement. C'est les robots. Bah ça fait du bruit, ça l'a ramené. Du coup là je sprint, mais faut surtout pas que je le fasse. Et donc on peut bien... j'ai réussi à sortir de leur emprise avec eux, ça marche bien. Faut bien mitrailler, mais on peut y arriver. Ouais, mais non, il est dans les conduits. Cette station dessert Sixon Communication Technologie, Sixon Ta gueule. Et What? Exoplanète Solution. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était des lambda encore. Ça va les mecs? La forme? Non, pas la forme. Ok. Écoutez, barrez-vous les mecs. Ils vont sûrement se faire massacrer. C'est pas mon problème. Ce jeu devient de plus en plus flippant, les amis. Cette station dessert la galerie marchande okay. Solomon, le bureau du marshal colonial et les suites Sixon. On va save directement. Merde, j'ai pris le mauvais train. C'est une blague? Merde, j'ai peut-être pris le mauvais train.
Ah, carrément, genre à l'envers. Ah, il se la joue à l'envers, carrément. Ok. Heureusement que j'avais sauvegardé juste avant. Hein. C'est incroyable, il suffit que je sprinte et il se ramène, quoi. Je suis si brillant que ça. Je suis si bruyant que ça. Ah, je me suis gouré de train, en effet. Du coup, on va reprendre ce train. Je suis pas doué. Ok, du coup, je dois aller retrouver Samuel et Taylor. Cette Ah. station dessert la maison médicale San Cristobal Bah, et nice. Houston Synthetics. Ripley? Ça va la forme? C'est toi, Ripley? Non, c'est pas moi. Ça se voit pas? Reposez-vous, Taylor. Comment va-t-elle? Il lui faut un traitement. Le centre médical est proche, mais je ne voulais pas la laisser seule. Je vais aller faire un tour, voir ce que je peux trouver. Restez avec elle. Je vais essayer de réparer l'amplificateur radio. Je suis vraiment obligé. La créature nous attaque. Cachez-vous. Une faille de sécurité non autorisée. Là, t'as un placard, tiens. Fous-la dans un placard. Laisse-la crever. Oh. Oh. Je crois que c'est genre la station où il y a le plus de bruit sur. J'allais dire sur Terre, mais dans la galaxie plutôt. C'est incroyable tous les bruits qu'il y a dans cette station. Putain, du coup, maintenant, faut que je fasse gaffe vraiment à tout. Au plafond, à tout. À ça. Hein? Toi, là. Saloperie. Je cherche un médecin. Vous m'entendez? Ouais, la vie de toutes les douilles. Ah, c'est peut-être parce que j'ai tiré sur la caméra. My bad. Ça, c'est un piège, ça. Mais bon. On aime bien se jeter dans les pièges. J'aimerais bien le voir, ce médecin, quand même. Je fais genre la lampe qui déconne. Ça met un peu dans l'ambiance, quoi, voilà. Oh, putain. J'ai peur de ça maintenant. C'est chaud. Bon, il est où ce médecin? Oh, un truc pour sauvegarder. Ah, il est là. Ripley, je cherche un médecin. Je suis médecin. Mon ami a besoin d'aide, de matériel médical. Moi aussi. Désolé, il n'y a pas de matériel à cet étage. Par contre, il y a tout ce que vous voulez en bas au dispensaire de l'hôpital. Là où il y a l'alien. Comment ça, vous trouvez que j'ai l'air en état de faire tout ce chemin? Écoutez, j'ai besoin de votre aide et vous de la mienne. Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, je descendrai ensuite au dispensaire avec vous. Ça marche? Le code? Exactement. Je peux vous guider d'ici si vous voulez. Morlaix ou Inga. Ils profitent tous de moi en fait. Marley, bro. Trouvons Marley. Viens par là. Je n'ai pas l'impression. Si, c'était peut-être par là. Alors encore un code secret de GTA. Ah non, ça va. Ok, donc je suis revenu là. Ouais. On a quoi là-bas? Ok, tout bêtement.
Tu sens le lienche. Dans la zone où vous êtes, on mettait nos patients les plus instables, ceux qui souffraient de troubles d'adaptation à l'espace lointain. C'est cas tragique. Ne me tracassez pas, ça me rassure, ça. Ça me rassure bien, ça. Non, non, mauvaise route. Et de quoi, mauvaise route, je vais où je veux, tu te calmes. T'as des choses à cacher, peut-être. Ah ouais, toi t'es pas bien en effet. Toi t'es pas bien. Je pensais que cet endroit était tellement prometteur quand je m'y suis installé. C'est une vraie tragédie. Ton talent était caché. Un endroit bien lugubre quoi, genre. À part là, apparemment. On a des trucs là-dedans. Des petits succès, voilà. On aime ça. Système d'arrosage, allez. Non, je peux pas. Ah, on s'en bat les couilles, en fait. Ah, par contre, l'éclairage, je veux bien... Oula. Il fait un bruit bizarre, leur éclairage. Hop là. Accès au conduit. Merde, je peux pas. Non, je peux pas. Ok, on va faire ça. Faudrait pas que je désactive la caméra, en fait, parce qu'il risque de plus pouvoir me guider. Ce serait embêtant. À part ça, c'est par où? C'est par là? C'est peut-être pas par là. Vous pouvez le sentir, et l'odeur est agréable. Sans doute. Vous êtes dans une autre pièce, mais vous n'êtes pas loin. Vous êtes séparés, mais vous êtes reliés. Si tu le dis. Dans très peu de temps, vous serez de nouveau réunis. Non, mais parfaitement. Parfaitement, madame. Hop là, on récupère juste ça. Hop là, allez, salut. Ah, j'ai trouvé. Non. Ouais, c'est ça. Hop là. Pro hacker. Hop là. Difficulté très élevée. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ouais, il doit être là-dedans le code. Hop là. Voyons voir. Ok, accord de médoc. Vous avez trouvé le code ? 1702. On va aussi avoir besoin de la carte d'accès. Morley l'a gardée toujours sur lui. Trouvez-le. La carte d'accès. Attention, violation de la quarantaine du centre médical détecté. Attention, violation de la quarantaine du centre médical détecté. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout, ça. Pourquoi ils enlèvent la quarantaine? Il y avait quoi en quarantaine? Oh, merde. Je crois qu'il y avait écrit là-dedans. C'est quoi, la quarantaine? Oh, ça, c'est pas bon. Moi, je vous le dis. Bon, elle est où, sa putain de carte d'accès, là? Où est-ce qu'elle peut être? Oh, je sentais bien qu'il y avait un truc qui allait me tomber dessus. Je bouge plus! Je fais plus rien. Tu peux passer, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te boire un café, moi je bouge pas. Oh putain. J'entends ses pas. On va essayer de sortir. Ses pas ont l'air plus loin.
Oh merde, 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 non. Ah, je suis mort. Mais ouais, mais d'où tu me vois aussi? T'as même pas d'yeux! Comment tu peux me voir? T'as pas d'yeux! Putain! Ça m'énerve, ça! Putain, où est-ce qu'elle peut être, cette carte d'accès? Hop là, toi, tu nous fais ton petit cinéma, on connaît. Et moi, j'ai d'autres occupations, là, alors t'es bien gentil. Trouver la carte d'accès de Morley. Ah putain, mais ça va être impossible de fouiller le bâtiment avec cette alien qui fait le... qui fait des rondes. Ça va être très chaud. Comment je vais faire? Et si j'utilisais des baits, genre des émetteurs de son? Putain, c'est chaud. Me faire niquer. Il est là. Mais en plus, il me voit à 3 km, c'est ça le pire. C'est impossible. Je vais lui envoyer un émetteur de son. Tiens, va chercher. Il a entendu. Non, il a entendu, il y va. C'est bien pratique, ces merdes. Hein. Quand même vachement pratique, ces merdes. Bon. J'ai aucune indication sur son emplacement. Non. À moins qu'elle soit là-bas. Ah bon, c'est là où il y a l'alien, on va pas tenter. Merde. Est-ce qu'elle est pas là par hasard? Ça me ferait bien plaisir qu'elle soit là. Non, évidemment. J'ai peur, les amis. Non, elle est pas du tout là. Oh mon Dieu, lui par contre, il est là. Oh merde. On va se mettre en PLS ici, hein, gentiment. Merde, je crois qu'il m'a vu à travers la vitre. Yes, je peux en fabriquer de nouveau. Encore un, non. Faut que j'utilise la fumigène sinon. Merde, il est là. Je l'entends. Dégage. Il est parti. Bien pratique quand même ce casque. Hein. Je sais à peu près où il est. Balance une fumigène, balance une fumigène. Vite, 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 vite. Je suis mort. Je suis mort. 100% je suis mort. Oh mon Dieu. Oh. Il est tout prêt. Ah, il est tout prêt. Oh, il est sorti. Il est peut-être pas si malin que ça, en fait. Par contre, on va éviter de se faire repérer à travers la vitre encore une fois. Ok, cette fois, il s'est vraiment barré. On va pouvoir reprendre les recherches. Là, je crois qu'il est là. Mais non, merde! Oh merde! Ça se lance pas, ça? Merde. Je crois que ça se lançait. Oh, du coup, il est vénère. Oh, du coup, il est très 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 vénère. Mince. Oh merde, je crois que ça se lançait. Il y a de la fumigène pour l'attirer. Pas du tout, en fait. Je me suis cramé tout seul. Là.
Mais il est pas là apparemment. Oh merde, il est là. Il y avait sa petite queue. Wesh. Dégage. Tu dégages. Mais je vais pas pouvoir sortir d'en dessous de ce bureau, c'est incroyable, je vais pas pouvoir. Et cette caméra qui se fout de ma... Je suis sûr, le mec derrière la caméra, il est en train de se foutre de ma gueule. Regardez cette sous-merde là, en PLS sous son bureau. Qui balance des fumigènes pour attirer un alien comme un con. Ça doit bien les faire marrer. Ah merde. Fait yesh. J'arrive pas à sortir. J'aurais jamais dû aller me coincer là-dedans, j'arrive pas à sortir. Allez, va chercher, sale bête. Va chercher le joujou. Ok, la carte est là, si j'ai bien compris. J'espère avoir bien compris. Ouais, c'est ça. C'est 1702, on a dit. Nice, c'est ça. Maintenant, on fout le camp. Elle est où sa putain de carte d'accès? Allez, dis-moi qu'elle est quelque part par là. Allez, on va tenter de se remettre debout, même si c'est chaud. Je sens que je vais avoir une mauvaise surprise bientôt. Non, c'est bon, la porte est fermée. Putain, il veut pas m'aider de l'autre con là. Oh, what? What? D'où? OMG, je suis sûr qu'elle est là, la carte. Je suis sûr. Putain, elle est pas là. Oh, et en plus, il arrive. Et wesh, comment il sait où je suis? J'avais une touche pour me pencher. What the fuck, il est où? Ah si, c'est ça pour me pencher. Eh, c'est pas mal ça. Bon allez, let's go. Let's go pas du tout. Let's go rien du tout. Si je survis à ça... Oh, il m'a pas trouvé. Alors là-dessus, il est sacrément con. Hein, hein. Je suis sorti juste devant lui. Allez, on a une paire de balls, on s'en sert. Let's go. Ah putain. Me dis pas qu'il va encore me bloquer pendant une demi-heure parce que ça va pas le faire. Il me reste deux émetteurs de son. Putain, il est où? Je sais même pas où il est. Mais elle est où, cette foutue carte d'accès? Putain, mais elle est où? Ah, elle est juste là. Elle doit plus être très loin.
Just do it. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non. Faux espoir. Ok. Oh merde, il est là. Oh merde. Oh putain. Oh putain, il est juste là. Ne tue pas, je t'en supplie. Je t'en supplie. Oh. Oh merde. Je suis mort. Merde. Je suis mort. Oh, me dis pas que je vais survivre après ça. Ce serait magique. Oh, si j'arrive à survivre après la connerie que je viens de faire. Le truc, il a rebondi contre le canapé deux fois. C'était le pire lancer d'Europe. Ah là-dessus, je suis vraiment une merde, quoi. Putain. Incroyable ce que j'ai fait. Bon, sinon... Ah, salut, ça va? La forme? Les amis, la famille? Tu dis même pas au revoir? Oh merde, allez, casse-toi, 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 casse-toi. En même temps, je méritais. En même temps. Je peux rien dire. C'est quoi ces trucs qui clignotent là? Qu'est-ce que c'est que ça? Salle de tournée? C'est quoi ça, les salles de tournée? Oh putain! Ah merde. Ça a pas marché. J'ai cru que j'allais faire dans, comme dans les films, genre. Hop là, le petit bait au dernier moment. Eh ben non. Cette fois, les gars, c'est la bonne. Si seulement je pouvais sauvegarder. Oh, nouveau schéma. Une bombe, je crois. Oh oui. Oh oui. Oui. Merde, ennemi proche, il y avait écrit. Oh, ça, c'est pas bon, ça. Il y avait sauvegarde non recommandée, ennemi proche. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Holy shit. Faut faire vite, faut faire vite. Allez, cache-toi. Ah oh, mais j'utilise pas du tout le capteur de mouvement, je suis trop con. Ça peut être vachement utile, je m'en sers jamais. Ok, on va dire que c'est bon.
C'est assez hors service. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a fait? Je sais même pas ce que je suis en train de faire. Je sais juste que ça va me tomber sur la gueule dans pas très longtemps. Ça devient vraiment chaud là. Là vraiment ça devient chaud. Ouais, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Hop là, on désactive ça. Avec la fumée, il me verra moins bien. Il me dira, moi aussi, je le verrai moins bien. Ah d'accord, j'ouvre ça en fait. Et ça sert à quoi concrètement? À rien, très bien. Est-ce que c'était une si bonne idée de désactiver la purification de l'air? D'après vous? Je vois plus grand chose en fait. Ok, ça m'a l'air bon. Ça n'est pas bon du tout. Mais ça fait tellement de bruit quand je me cache. C'est horrible. Oh no. Oups. Ah, je suis un mongol. Oh. Oh. Il a carrément passé sa tête à travers le placard. Et il est reparti. J'ai toujours autant de chance, moi. Ah bah là un peu moins du coup. Ouf. Putain. Sale bête. Voilà, on va se quitter là-dessus les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu une fois de plus. Je vous dis à la prochaine pour le 5e épisode. Allez, ciao tout le monde, gardez la pêche.